se lève. Oh non, fait nuit. Re-bienvenue pour la survie du week-end. Bienvenue à tout le monde. Donc, nous sommes toujours à Milton. Par contre, il fait encore nuit. Alors, on va passer le temps, on va faire ça. Voilà, ça c'est du temps bien utilisé. Donc, bienvenue tout le monde, nous allons encore explorer Milton. Nous allons aller sur les hauteurs de Milton. Nous allons voir un peu ce qu'on peut trouver dans les hauteurs. On va récupérer un peu de nourriture, de viande et tout ça. On va faire un petit... Il fait encore nuit, hein. Attendez, on voit la fenêtre. Putain, je suis bloqué. Ok, d'accord. Je vois pas, je sais pas où je vais. Ah, ok, d'accord. C'était la mauvaise fenêtre, en fait, que je regardais, je crois. Ok, on est bon. Donc, on est parti pour les hauteurs de Milton. Donc, on va d'abord virer les trucs en plus qu'on a. Ah, très bien, très bien. On est prêt. On est prêt. On est à 33 kilos. On va prendre de l'eau. On va prendre de la viande. On a 2 litres. Et on va prendre de la viande. Et en espérant qu'il fasse bon. Ça oui, oui. C'est vrai que ce serait un peu con qu'il fasse froid. C'est parti. Bon, il fait froid. C'est un peu un problème. Il fait froid. Ça va peut-être s'arranger avec le temps. Mais ouais, il fait froid. On va aller donc les hauteurs, comme j'ai dit, hein, c'est très simple, la dernière fois j'en avais parlé. On sort de la maison, on va sur la gauche et hop, on monte. Ah, et voilà, on y est. C'est juste là. Ah, c'est pas très haut. Donc, je vais aller voir ça, s'il y a des choses intéressantes. On peut se balader un peu plus, hein, aussi, on va se balader un peu plus. Par contre, il fait froid, 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 quand même, hein. J'avoue que... Ouais, c'est un peu embêtant. J'espère qu'on va trouver des endroits pour s'abriter. Je sais pas s'il y a des grottes, honnêtement. Je suis pas très... Je connais pas vraiment trop bien, en fait, les hauteurs de Milton. Donc, on va voir. Déjà, il y a là, il y a escaladé. Bon. J'entends des trucs marcher. Antenne radio. Une grosse boîte. J'ai vu une grosse boîte devant l'antenne. Ok, donc on est... Si on dessine maintenant, on va avoir froid en fait, on va crever de froid. Bon, il y a quoi dans cette boîte? Il n'y a strictement rien. Ah bah ça valait le coup de venir. Super, merci. Super. Et on a froid, c'est bien. Waouh. Quelle aventure. On va continuer un peu, si jamais on trouve pas de grotte ou de, je sais pas, de bâtiment ou... On va faire un feu. Quoi qu'on... Non, on va pas faire de feu, on n'a pas de bois. J'ai rien dit, on n'a pas besoin de faire de feu. Il y a une grotte juste devant. Ok, bon bah ça va. Il y a écrit quoi là? Antenne radio. Merci le signe. Donc on a une grotte... C'est un cul-de-sac grotte ou c'est une grotte... Ouh, un sac. Il y a un sac et plein de charbon. Il y a un livre aussi, c'est quoi? Fabrication de munitions. Pas mal, pas mal.
On va passer du temps pour se réchauffer. Par contre, vu le charbon qu'il y a, honnêtement, je dis pourquoi pas le prendre. Ouais, je crois, par contre, bon, c'est un peu lourd, c'est ça le problème. Voilà, on va se mettre là. On est à 40 kg. Ouais, ouais, c'est un peu lourd. On n'a qu'à faire ça. On va se réchauffer tranquillement comme ça, doucement. On peut peut-être passer une heure, comme j'ai dit. J'ai vraiment envie de lire ce livre. En fait. On va faire ça. Voilà. Alors maintenant, où on descend et on pose le charbon. Ah oui, on peut faire ça aussi. Très bien. Où on descend et on pose le charbon, ou on continue notre investigation. J'ai envie de dire, on pourrait déposer le charbon dans la boîte. Ça pourrait être une solution. On peut déposer le charbon dans la boîte, c'est pas loin de la maison et tout ça, et il sera à l'abri. Et on peut même dessiner sur la boîte. Eh oui. Eh oui, eh oui. Faut bien l'utiliser cette mise à jour. Allumage de feu. Ah, très bien. Je voudrais bien quand même dessiner. Voilà. On pourrait aller se réchauffer encore. Retour à la grotte. On fait ça, retour à la grotte? Moins 12. C'est pas énorme, moins 12. Bah autant en profiter. Enfin, autant aller se réchauffer maintenant. Comme ça, on va pouvoir se balader tranquille. Et si jamais le temps est pourri, on part. On retourne chez nous vu qu'on est à côté, honnêtement. On est vraiment pas loin. On est à combien? 37. Voilà, si on se met plus profond, est-ce qu'on a plus chaud? On va se mettre là, très bien, on va boire, manger. Comme ça, ça nous fera déjà un peu du poids en moins. Petite sœur à lire. C'était peut-être un peu trop, mais... J'ai vraiment envie de le lire, ce livre. C'est pour ça, en fait. J'ai vraiment qu'on en finit... Que... J'ai vraiment envie d'en finir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Comme ça, on a du niveau en plus. Ça va vraiment nous aider. Oh, voilà. À quoi qu'à... Attendez, là, on est protégé du vent, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas froid. Ah, c'est bon. Ouais, non, c'est bon, let's go, let's go. Bien, on peut explorer tranquille. On peut explorer tranquille, ça c'est cool. J'ai cru voir des lapins. C'est quoi ça devant là? Oui, c'est un lapin. Lapin, massette, bois, important. Bon, bah on va continuer de ce côté-là, je dirais. Est-ce que en nourriture, on a assez... Oh, au pire, on peut faire... On revient bouffer des lapins. Ou des massettes, même. Oh! C'est bien, ça. On va continuer, on va monter. Là, il y a encore des baies à récupérer. Là aussi, il y a des baies partout. Un truc qui est bien, c'est qu'on a trouvé beaucoup de champignons. Où est-ce qu'on était?
Bah, on a trouvé beaucoup de champignons en fait sur le chemin de Milton et où on sait qu'on était avant, la zone qu'on avait. Par contre, faut pas se louper. Voilà. La zone qu'on avait fouillée avant. Ah, c'est embêtant ce truc. Ah, c'est quoi le nom? La voie ferrée est détruite aussi. Là-bas, on avait beaucoup trouvé de champignons. Mais les baies, c'est rare. C'est plus rare. Par contre, Milton, ça va. Côté baie, y en a. Donc c'est vrai que si vous avez besoin de baies spécifiquement, c'est une bonne idée d'aller à Milton. On trouve... Je dirais, j'ai envie de dire, on trouve plus de baies que de champignons. Quand vous êtes en haut, quand vous êtes à Milton. Je sais pas où on va, attendez. Là c'est Milton en bas. J'arrive pas à trop me repérer. Est-ce qu'on a bifurqué à un moment? Est-ce qu'on a tourné ou pas? Ou là on s'éloigne complètement, genre on est à l'opposé de Milton. Je sais pas trop. Il n'y a pas d'animaux? Encore des lapins. Oh, carcasse. On pourrait faire un feu à côté de la carcasse. Comme ça, on fait cuire la viande. Il y a plein de lapins, quoi, c'est abusé. Donnez-moi ça. Mais merde. Mais merde, je suis nul. Je suis vraiment nul. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de lancer de pierre. Regardez pas. Faire un feu ici. Très bien. On a peut-être pas beaucoup de... What? Putain de merde. Oh, sure getting cold. Bon, bah on va manger le loup. On va manger le loup, du coup. Ah, très bien. Je sais pas si c'est moi qui ai arrêté le feu, ou alors on l'a loupé, je sais pas si c'est... je sais pas. J'ai appuyé un peu sur toutes les touches. Normalement, on peut pas les annuler hein, quand on fait du feu. Alors peut-être qu'ils l'ont rajouté maintenant. Mais bon, il serait mis une touche retour, genre en bas à droite. Donc je sais pas. Par contre, on a
faut plus de bois. Il nous faudrait plus de bois. C'est un peu embêtant. Faire attention qu'il ait pas des copains. Ouh, c'est pas l'avion ça? C'est l'avion ça? On va y aller après. Je vais juste passer par là-haut, là, si jamais il y a du petit bois qui traîne sur le chemin. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On dépece les lapins? On en a quoi, deux? Ça va nous prendre trop de temps, honnêtement. Ça va nous prendre un peu trop de temps de faire ça. Quoique maintenant on a fait un gros feu, donc autant l'utiliser, j'ai envie de dire. Mais par contre, on va faire un peu d'eau. On va récupérer. Pas beaucoup. On va récupérer la peau en même temps. Attendez, je me prends un peu la tête là. 49 minutes. Ok, ça c'est bon. Ça c'est prêt. Ça c'est prêt. Viande locute fraîche. Qu'est-ce que... Désolé, je suis en train de me prendre un peu la tête. Oh, on n'a pas besoin de faire autant d'eau en fait. Toi tu restes là. Il y a toi à faire. Est-ce qu'on prend la peau? Je crois qu'on va pas prendre les boyaux ni rien. On va prendre la peau des lapins. Je dirais. Parce que la peau des lapins c'est utile pour nos vêtements. Une minute, 24 minutes. Ouais, j'ai envie de dire, on va pas prendre. On a assez. Bon, bah ça va, c'est bien. On a ça, on a ça. On va détruire celle-là. Comme j'ai dit, comme ça, on va... n'a pas besoin de chercher les plumes. On va faire une écorce. Et après on va aller voir le l'avion. Après on va aller voir l'avion.
s'est passé? Cuivre, ok. Ah, on est plein. D'accord. Ça, on va faire comme ça, on va dessiner. Très bien. J'ai envie de dire... fais de la peinture, parce que pourquoi pas. C'est quoi ce truc? Terrain de chasse. Ah, terrain de chasse lapin. Outils, vêtements. Bonne direction, danger fouillé. J'ai envie de mettre nourriture et boisson. On va mettre terrain de chasse. On le met comme ça le truc ou comme ça? J'en sais rien moi. C'est très bien comme ça. Bon du coup on n'a pas besoin de boire ça. Le feu il est là, très bien. Ça on va le laisser. Non, on va faire comme ça. Voilà. Et on y va. On est un peu fatigué. On est un peu fatigué, donc du coup ça c'est un peu embêtant. On n'a pas froid par contre. Faudrait trouver un abri. Peut-être dormir avec le sac de couchage, j'ai envie de dire. À la limite on aurait dû prendre de l'eau. On a quoi? On a 1,79. Bon, après on a les thés et tout ça. Tu viens avec nous lapin? On a vengé ton frère. Après avoir tué ton autre frère. En bref, c'est pas grave. On a trop de viande sur nous. On risque de se faire sentir. C'est un peu embêtant. Alors. Bonjour, bonjour. Alors déjà, on va... on va dessiner. Voilà, ouais, c'est pas mal. Prends ça. Ah, je suis bloqué. J'ai envie de dire autant prendre... Là on a des caisses. J'imagine que si on casse les caisses, on peut récupérer des trucs. Où est-ce qu'on va? Oh, il y a encore des débris en bas, on va aller fouiller en bas. Ouais, il va falloir trouver un endroit pour s'abriter. Je prends du bois si jamais on doit se mettre à quelque part et qu'il y ait du vent comme ça. Ouh! Et qu'il y ait du vent, comme ça on pourra faire un feu. Ah, j'ai envie, j'ai vraiment envie de casser cette caisse. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose dedans. On va faire celle-là, on va voir. On va faire celle-là. Ok, il y a rien du tout. Bon, ça valait peut-être pas le coup. Ça valait peut-être pas le coup. On est à 41 kg, ça va. Alors on va descendre où c'est qu'il y a les débris. Et on va voir si on peut pas passer la nuit. À fatiguer. Sinon, est-ce qu'on peut rentrer? Non, honnêtement, ça sert à rien de se presser pour rentrer. Faut juste trouver un bon endroit tranquille et on dort. Y a pas à se presser. Parce que sinon, on va se presser, on va se fatiguer encore plus.
On va se foutre dans la merde. Oh, je crois qu'il y a une grotte là. On va se foutre dans la merde, donc autant rester ici. De toute façon, on a assez à manger pour le moment. On peut tenir encore. Il n'y a pas de problème. Et puis après, on rentre. C'est pas très loin, honnêtement. C'est pas très loin. En 5 minutes, on est rentré. Hein. Donc. Donc ça va. Oh, il y a plein de... J'arrive pas à trouver... Escalader, voilà. Ah, il y a un cerf. On pourrait prendre une vie... Je vais voir s'il fait froid ou pas. Oh, il y a plein de bois. C'est une grotte là-bas? Je crois que c'est bien une grotte. Hein. Du coup, on va faire ça. Ah, très bien. Ça, ça, ça. Non. Ça. Ça. On va faire avec la scie. Ok, il fait froid. Ok, on se casse. Avance. Je crois pas qu'on peut aller plus bas. Je pense pas qu'on puisse aller plus bas. En plus, on a l'air d'être tranquille, y a pas l'air d'avoir de... Ah, jerrycan. Pas l'air d'avoir d'animaux ici, vu que c'est tout... c'est tout fin, en fait, c'est tout étroit. Moins qu'il y a un ours dans la grotte. Qui m'attend. Non, je pense pas. Ça pourrait, hein. C'est jamais, hein. Mais je pense pas. Photo instantanée, une vieille photo prise avec un appareil instantané, les inscriptions au dos donnent des indications sur une vue du village montagnard. Lire le texte. Salut toi, l'autre jour je suis enfin parti en balade, je suis allé au-delà de Milton. C'est quoi ce bruit? Pas loin de la tour qui est là-haut, ma jambe ne me fait plus mal du tout, papa. Du coup ça nous donne pas grand chose en fait. Oh, Blizzard, on va rentrer. On a notre première faute. Non, on l'a déjà fouillé. Quoi ce bruit? J'ai l'impression que... Là, il y a un feu. Du bois. Oh, par contre, on n'a pas chaud dans la... Aïe, 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 aïe. On n'a pas chaud dans la grotte. Ok, c'est un problème. Il fait pas, c'est pas une grotte où il fait chaud à l'intérieur, elle est pas assez profonde. Aïe aïe aïe. Par contre, on a un lit par terre, donc on peut dormir, on peut utiliser ce lit. Mais bon, on va utiliser notre sac de couchage, c'est mieux. Voir, c'est 2 degrés, ressenti 5. Je crois qu'à l'extérieur, combien on a? Moins 11. Je crois qu'on peut dormir simplement dans notre sac à dos et on est bon. Dans notre sac à dos. Dans notre sac de couchage. Et je crois qu'on est bon. Oh bah du coup, la photo, elle nous a pas donné grand chose en fait. Elles sont entreposées ou elles sont là? Choisir. Ouais, parce qu'on a déjà... Ouais, non, c'était à la tour. Le mec, il parle de la tour. La tour qui est là-haut. Ouais, la tour et on l'a déjà... On l'a déjà regardé, en fait, la tour. On a... Je pense que... Nous, on est là. Non, on n'est pas là.
Ça, c'est la tour. Non, non. Nous, on est... C'est l'épave d'avion. Non, on est là. On peut dessiner ou pas? Non, on peut pas. Faudra dessiner le lendemain. Donc, attendez. Nous, on est ici. Je crois qu'on est descendu. Donc, on a fait tout ce chemin, en fait. Il y a une grotte, là. Ah oui, oui, la grotte, oui, pour s'abriter. Donc, on a fait ça. Et le Polaroid nous donne ici. Donc, en gros, il doit nous donner tout ça. Je pense. Mais bon, nous, vu qu'on l'a déjà fait. Du coup, c'est pas vraiment très, très utile. Bon, tout ça pour dire que... ah oui, c'est vrai qu'on a des trucs à faire cuire. Non. J'aime pas ce feu, il est vachement... Bah, je pense pas que le vent peut le souffler, mais... Ça m'embête un peu. Bon bah c'est cool, on a notre premier Polaroid, notre première photo. C'est tranquille. C'est tranquille. On va faire cuire la viande. On a récupéré un jerrycan, donc ça c'est bien, on va le garder, on va la ramener chez nous. Est-ce qu'on... lit ou pas. On peut lire. Voilà, très bien. On a pas mal de nourriture. On a pas mal de nourriture. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Est-ce qu'on peut faire passer du temps ou alors on dort directement? Je pense qu'on va dormir directement et on va mettre tout le feu disponible. Je crois que c'est le plus sûr. Comme ça on est tranquille. Comme ça on risque pas de geler pendant la nuit. Du coup on va même pas avoir besoin de notre sac de couchage. Là on a le feu. On ressent le feu. Si je m'éloigne. Ouais, là non. Là non. Là moins 13. Par contre, si je me mets sur le lit, on est bon. Donc on peut dormir directement sur le lit. Ouais, non, ça va. On peut dormir là. On peut dormir toute la nuit. Avant de dormir, qu'est-ce qu'on a à faire? Bon, on ramène le jerrycan à la maison, ça c'est bien. On a des pots, on a de la viande. Ça m'embête un peu d'utiliser ça. Voilà. Elle est un peu fatiguée quand même. Il reste combien d'heures? Une heure ou deux heures? Il reste une heure. On va lire le truc de raccommodage. Voilà. Raccommodage. Ouais, ça va. On est à 8h. Et on va dormir 10h. On va dormir 10h. Comme ça, on est tranquille. Et on passe la nuit. Et après, on rentre. On rentre tranquillement avec toutes nos trouvailles. Allez. Ah, on est bien. Hein. Bon, franchement, on a eu une bonne aventure là. C'était cool. Je pensais pas trop tomber sur le. Je crois que c'est le début du premier épisode ici. Je crois que c'est le tout début du premier épisode. On a même pas besoin d'utiliser autant de bois. Pas besoin de faire ça. Alors, est-ce qu'on peut aller autre part ou pas? Ça, c'est vide. Normalement, on a tout fait. Il y a les caisses en bois que j'aimerais bien casser. Encore une fois. Pour être sûr, en fait.
pour être sûr de si jamais il y a des trucs. Enfin, la plupart du temps, ce qu'il y a dedans, c'est pas vraiment très très intéressant. C'est genre des allumes-feu, genre de l'essence. Hein. Pas vraiment très... qu'est-ce qu'on fait? On attend encore, s'il fait quand même bien froid. C'est un peu emmerdant. On va peut-être attendre une petite heure. Peut-être attendre une petite heure, vite fait. C'est pas... C'est pas vraiment mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On sort, on y va, on se casse. On prend la torche et on rentre. Attends, j'ai vu un truc là. Non. Qu'est-ce qu'on... On peut tenter d'attendre encore une heure. On peut tenter. Juste pour être sûr. Voir si ça s'arrange. Moi j'ai bien envie, mais... On va voir un peu. Ah! C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Allez, on se casse. On y va. Oh, come on. Pourquoi elle s'énerve? Allez, on se casse. Ah oui, c'est parce que ça fait aucun effet, c'est pour ça. Mais bon, ça fait le réchauffement. Donc bon. Ah, d'accord. Bon bah, merde. Je peux pas la jeter, la torche. C'est quoi cette merde? Attends, c'est quoi cette connerie? Je peux pas la... Bizarre. Pourtant, on peut les jeter les torches quand elles sont éteintes. Qu'est-ce que... C'est quoi cette blague? Ah, par contre, il y avait encore des... Des baies, là. J'ai envie de les récupérer. Je sais, je suis chiant, mais... C'est quoi cette blague là? Pourquoi je pouvais pas jeter la torche? C'est très étrange. Ouais, qu'on est à l'abri du vent, honnêtement, on risque, on sent rien. Allez, on monte. Bon, on rentre chez nous et... y a pas grand chose à faire. On rentre chez nous, on dépose le jerrycan. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon, du bois on en a plus parce qu'on a tout utilisé. C'est pas grave. C'est pour notre survie. On a de la viande en réserve. Ça, c'est même pas en réserve, c'est juste... bon, on avait de la viande quoi. Quoi d'autre? On va placer contre la paroi, comme ça on est protégé du vent. On a la photo. Ah bon, tu peux récupérer un peu de bois. Quelle merde, 41 kg ça va. Faut qu'on fasse des tisanes. On a récupéré le fait-tout. Ouais. Faut qu'on fasse des tisanes. Ça, on en a plus trop en réserve, je crois. Dans l'armoire, genre on en a plus trop dans l'armoire.
donc il faudra en faire. Mais ça va très vite, on fait un feu chez nous et on a quoi? On a 6 emplacements, donc on peut en faire 6 d'un coup. Donc on pourrait faire ça. Et après on fait cuire le reste de la viande aussi, parce qu'on a toujours de la viande à faire cuire. Yo, ça va. Il est où le vent? Ah, il est en plein de vent, mais... plein de face. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste à aller fouiller? Qu'est-ce qu'on a à fouiller? Ah, l'église, ouais, l'église. On peut faire le haut de 1000 tonnes, donc c'est l'église. Je crois qu'il y a aussi une grotte. Ah oui, on avait déjà chassé de l'élan là-bas. Donc c'est possible qu'on tombe sur un élan. Si jamais on en croise un, je dirais pourquoi pas. Je dirais pourquoi pas le chasser. Ça nous ferait une réserve d'énergie et de calories énorme. Et ça nous ferait une peau aussi, si jamais on en a besoin. Ça pourrait... ouais, non, ça pourrait être utile. C'est toujours utile. Essaye de récupérer un peu de bois encore. Là, on devrait être tranquille, je pense. Je crois pas qu'il y ait de... oui, on est de retour déjà à la grotte. C'est pas loin du tout, quoi. C'est vraiment pas... on a rien oublié. J'ai l'impression qu'on a oublié un truc. Non, on a rien oublié. De toute façon, si on avait oublié des trucs, on serait léger. Donc, Non, on a rien oublié. Bon, après, c'est pas extrêmement loin, donc c'est pas grave. Honnêtement, on pourrait même prendre le... comment ça s'appelle? Le charbon qui est ici dans la boîte et le ramener à la maison, mais bon, on va pas le faire. C'est pas vraiment intéressant. Et ouais, 1000 tonnes est quand même une zone assez simple, assez tranquille. Enfin, c'est pas simple. Ça peut être dangereux, comme j'ai dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de loups et tout ça. Mais point de vue froid, ça va. C'est gérable parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits pour se protéger. Et il y a beaucoup de... comment dire, de chemins comme ça qui sont entourés de montagnes. Donc pour le vent, c'est quand même vraiment, vraiment très utile. On peut complètement se protéger du vent. Bon bah voilà, on rentre. Bah voilà. Bah c'était... c'était très rentable. C'était pas mal rentable. Fait longtemps qu'on n'a pas vu des genres des jerrycans et des trucs comme ça. Alors. Ah oui, on sait qu'on a récupéré aussi ça, c'est bien. 10 plumes, c'est bien. On a encore un morceau de bois. Pam, on a les peaux de lapin. Ça sera utile pour nos vêtements. Tiens, en parlant de vêtements. 92, 94, ok, très bon. Là, on a un tout petit peu de bois en plus. Euh...
ça. Qu'est-ce qu'on a? Jerrycan, on est là. Les livres qu'on a finis, la couture facile. Après le reste, je crois que non. Hein. Utiliser, utiliser. Il reste quoi? Une heure. Et là, 5 heures. Il nous faudra un peu des charbons pour dessiner. On va tout prendre. Ça. Il nous faut de l'eau. On avait tout bu. On avait tout bu apparemment. Ouais, il faut faire des tisanes. Est-ce qu'on le fait maintenant? Je sais pas trop. Maintenant. Je sais pas si ça vaut le coup de faire ça maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait aller directement à l'église. Mais si on va à l'église, il va falloir qu'on dorme là-bas. Parce que ça va être loin. On a toujours notre sac de couchage. Le sac de couchage, on l'a pas sorti. Ah oui, des allumettes, par contre. Donc on les utilise quand même pas mal. J'avoue. On va prendre celle-là. Après que ça va un peu vite les allumettes. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Oh, on peut aller à l'église, hein, c'est pas très loin. Hein. C'est vraiment pas loin, donc... Après j'ai envie de dire, il fait beau, on peut faire un feu. Faire un feu et tout cuire. On va faire un feu et tout cuire. Il me faut du bois. On va faire un feu grâce à la loupe. Je crois que c'était un faitout par terre que j'avais pas vu. On va faire un feu grâce à la loupe, comme ça on est tranquille. Alors... Faut en profiter. Comme j'ai dit, la loupe, c'est rare qu'on puisse l'utiliser. Donc quand il y a ça, il faut en profiter un max. Parce que c'est vrai, comme j'ai dit, on a quand même utilisé beaucoup d'allumettes. Hein. Là j'avoue qu'on en utilise énormément à chaque fois. En plus, on en a perdu quelques-unes. Je crois qu'on en a perdu 2, voire 3. Avec les 95%. Donc, on va un peu y aller mollo. Oh, yeah. That's a good one. Ah, très bien. On a du combustible, on aurait pu l'utiliser. Si jamais on perd le feu, là, on utilise le combustible. Eh merde, tiens. Saloperie. On avait de l'eau potable. J'avais de l'eau potable apparemment, que j'avais pas récupéré. On va récupérer la nourriture. Toute la viande là à faire. Bon. Tout ça c'est du mil, hein. Ouais, tout ça c'est du mil. On va les déposer. Il y a l'eau qui est en train de bouillir, là, elle m'embête l'eau.
Oh, un propre de litre. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. C'est tout 40 minutes, ok, c'est tout 40 minutes. On a 2 litres d'eau impure, faudra la faire bouillir. Je crois qu'il y avait un livre où il nous restait une heure. Pour faire ça. Ah, très bien. Voilà. Bien, bien, bien. Ah, on n'a pas besoin de beaucoup d'heures. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'heures d'eau. De feu, pardon. Voilà. Avec 6 emplacements, ça va super vite. C'est vraiment, vraiment cool. Vraiment sympa. Ok, 3. On va remettre ça. Comme j'ai dit, on va en profiter. On va faire... Hop. Voilà, 7 minutes. Alors après, on peut les faire dans les viandes, on peut les faire dans les pots aussi, ça va plus vite. Mais j'aime pas trop le faire en fait. C'est une habitude que j'ai de pas l'utiliser le pot pour faire la viande. Parce que ça me chamboule un peu dans les timers. Mais en théorie ça va plus vite, ça va un tout petit peu plus vite et ça dure plus longtemps en fait. Non, le temps pour brûler est rallongé, donc on a plus le temps de récupérer la viande. Et merde, quel con. J'ai pris trop tôt. 6 minutes. Ah, vous avez eu 40 minutes pour brûler. On va... Ah, il nous faut de l'eau. 2 litres. Là, il y a l'eau à faire aussi. Voilà. Très bon. On va déposer les... Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est un peu cool. Il faut que je me concentre 2 secondes. Donc je me concentre un peu. Ok, on a encore une heure d'eau. De feu. Oh la vache. Je dis plus, je dis n'importe quoi. Médicinal. On va en mettre à côté de la... À côté ici. Comme ça, si jamais on fait un feu ici, on fait chauffer des... Des trucs juste à côté, des tisanes juste à côté. Ça va pas vraiment nous... Je pense pas qu'on en aura l'utilité, mais... C'est juste pour dire, histoire que... Voilà quoi, c'est fait genre... Ah, maintenant je vais m'amuser, hein, vu qu'on peut les tourner les objets. Ça va m'amuser, ça. Chaud, voilà. Le truc qu'on puisse tourner les objets comme ça maintenant. Ah, ça va. Ça va être fun. On va utiliser les petits bois d'abord. Parce que vu que ça c'est plus rare.
Voilà, très bien. Donc ça, on les garde, ceux-là. On va faire ça. Après, on peut mettre les petits pots là qu'on a, mais ça va pousser un peu la merde. Enfin, je sais pas. Ouais, on pourrait le faire. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est 50 centilitres, je crois. On peut faire comme ça. Ça fait un peu, encore un petit surplus d'eau. Et on peut prendre, manger genre une boîte de conserve et récupérer encore une conserve en plus. Voilà, voilà. On va faire ça jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et après on dort et on aura fini notre journée. Par contre, il n'y a rien qui est au même temps, donc c'est un peu relou parce qu'à chaque fois, il faut regarder. Il n'y a rien qui fait pareil. Et 1h40, c'est pas grave. Et la prochaine fois, parce que là, on aurait pu en fait partir, donc comme j'ai dit à l'église, mais sinon, bah, ce serait été un peu un bordel. D'aller à l'église maintenant parce que du coup on aurait pas vraiment eu le temps de tout vérifier, on aurait dû peut-être récupérer plein de viande, enfin aller chasser, donc voilà, ça c'est plein. Encore une heure de feu, donc du coup c'est mieux comme ça. Là, au camp, on a plein de viande prête, on a plein d'eau, on a... c'est quoi, c'est 20 ou 30 20 kilos, et après là, on pourra mettre 40, donc avec tout ça, on va aller très vite aussi. Donc, c'est tranquille. On a refait les tisanes. Ouais, non, on est très très bien. On a trouvé le Polaroid, comme j'ai dit. Ah ouais, on est très bien. Y a aucun problème. On est vraiment tranquille. On a lu les livres, on a avancé. Encore 2h30. Faut vraiment faire attention en fait au temps. Surtout ça en fait, faire attention au temps. D'abord avant qu'il fasse trop nuit, que je vois plus rien. Alors... J'ai envie d'en garder 5 de chaque en fait. Parce qu'on a déjà les tisanes, ça fait 5. Et après on a encore ça, donc ça fait 10 tisanes en plus qu'on peut faire. Oh mon dieu. Peut-être en prendre 10. À la limite, ça, on n'en a pas besoin. Non, si. Si jamais on... Ça, c'est pour les infections. Ça, c'est pour... Je me rappelle plus. On va rester comme ça. 10 là et 5 là, parce qu'on en a beaucoup de ça. Je me rappelle plus. Il y en a un qui c'est pour les infections. L'autre, c'est pour la douleur, je crois. On peut plus tomber malade de toute façon. Oui, si jamais on se fait mordre. Ouais, bof. On a. De toute façon, on a. On a les barbes de Jupiter là. Non, en fait. On... Pour être franc, on risque rien. On peut pas tomber malade. L'été ne sert plus à rien niveau maladie, tout ça, je crois. Si je dis pas de bêtises. On risque rien du tout. Donc c'est pas utile de les garder. Enfin c'est juste on les garde pour, comme j'ai dit, c'est facile pour les réchauffer du coup.
Ça, ça nous aide énormément. Encore 2 heures de feu. Très bien, très bien. Pourquoi pas faire ça? Ah mais oui, mais 1 heure, ça va être chaud, non? On reste brûlé. Non, on va voir. On va voir. Bon, ça, ça va pas marcher si on lit à chaque fois. Hop. 50 minutes. On va lire. C'est vraiment juste pour passer le temps. On pourrait coudre à la place, mais on n'a pas vraiment grand chose à coudre en fait. On n'a pas grand chose à coudre. C'est très peu de pourcentage, donc c'est pas vraiment utile. Puis en plus, ce qu'on doit coudre, c'est genre les vêtements de peau. Donc je préfère encore attendre un peu. Et après recoudre. Même si c'est les. Si c'est avec de la peau de lapin. La peau de lapin, c'est facile à avoir. Ça fait un son bizarre avec l'eau qui boue. Enfin, un son très bizarre. Je crois qu'on va arrêter. Je crois qu'on va arrêter. On va lire encore 1 heure. Je crois que ce sera le dernier batch d'eau. Et là, on est tranquille pendant je sais pas combien de temps. dix-neuf minutes, braise. Non potable, ok, ça restera non potable. Est-ce qu'on a notre fait tout? Non, faut en prendre un. Ok, on est bon là niveau équipement, on a tout récupéré. Ça a mangé. Il y a l'eau, on va la déposer. Oui, on a tout, je crois qu'on est bon. Bon, ça va, on a honnêtement, c'est bien parce qu'on a. On a tout fait en fait, on a récupéré en fait tout ce que je voulais faire et qui est chiant à faire, genre refaire des tisanes, refaire de l'eau, faire cuire les viandes là qu'on avait de côté, on a tout fait en un coup et comme ça on est débarrassé, donc on est tranquille. Bah ça va, c'était une bonne sortie, c'est une bonne sortie. On a bien vadrouillé, on a récupéré des nouveaux objets en plus de la mise à jour, c'est plutôt cool. Donc ça vaut vraiment le coup, je suis content. Voilà, on a 28 et 20 en haut, c'est très bien. On va monter, dormir, 10 heures encore. Et on est tranquille. La prochaine fois, donc on ira église. On ira église, on verra si on trouve un élan. Peut-être qu'on lui fera sa fête. C'est pas obligé. Pareil pour l'ours, c'est pas obligé, honnêtement, on n'en a pas vraiment ultra besoin. Mais c'est vrai que vu que ces peaux-là, elles mettent 7000 ans à sécher, c'est pas de refus de les prendre et après juste de les laisser à la maison et puis après on les oublie un peu quoi. Et le jour où on en a besoin, ben on reviendra. Parce que par exemple là on pourrait réparer ça par exemple. Le vêtement en loup, en ours. Ça pourrait être utile. Ça pourrait être utile. Mais voilà. Ouais, prochaine. Prochaine sortie, église. Église, je vais montrer la map vite fait. Église, elle est là, par là à peu près. Donc nous, on va faire église là, et après on va faire tout le tour, comme ça. Et je crois qu'on peut même revenir, comme ça. Enfin voilà, on fera ici, et on verra un peu ce qui se passe. Donc c'est plutôt sympa. Ça va, on a couvert quand même pas mal de maps, en fait.
grâce à cette mise à jour. Honnêtement, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile. On peut voir la différence. Honnêtement, avec... ok, d'accord. On peut voir la différence de peinture, de dessin, en fait, par rapport au... avec mise à jour et sans mise à jour. On peut vraiment voir la différence. Genre là, par exemple. Là, ça, c'est trois endroits, là. Ça, c'est parce qu'on a... on l'a fait avant la mise à jour, et ça cet endroit-là, c'est après la mise à jour. Donc on voit que c'est beaucoup mieux dessiné. C'est connecté, quoi. Là, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Là, c'est tout dessiné sur le boss. Donc ça, on verra. Enfin, voilà. Bonne nuit à tous. Reposez-vous bien. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.